tous pour ces partages. L'apôtre Paul, dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, nous parle de l'apostasie qui doit venir. Bien évidemment, dans le monde dans lequel nous vivons, il n'est pas malaisé de voir que l'apostasie prend de l'ampleur et touche de manière particulière le monde chrétien. Alors évidemment, il faudrait trouver un peu, évidemment pas de manière exhaustive parce que ce ne serait pas possible, mais on va essayer de décortiquer un petit peu ce qu'est l'apostasie, quelle est son origine, quelle est sa signification profonde. Parce que apostasie, on peut dire que c'est anomia, c'est-à-dire sans loi, qui ne respecte pas la parole de Dieu. Bon, mais il y a des choses plus profondes. D'ores et déjà, dans le premier verset de la Torah, le Seigneur nous dit que l'Éternel créa les ciels, littéralement, les ciels et la terre. Donc, il y a un ordre. Les ciels, le monde angélique, a été créé en premier lieu. Ensuite a été créée la terre. Et la terre devait renfermer tout ce que l'on connaît aujourd'hui, mais pour une raison précise. Et nous pouvons toucher un peu le secret, un des secrets de la création, en lisant le chapitre 28 du prophète Ézéchiel. Il nous est parlé d'un sombre roi de Tyr. On ne connaît pas son nom et pourtant on voit qu'il a une importance capitale dans le texte, puisqu'il nous est dit qu'il était un chérubin protecteur, qu'il était dans le jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden des célestes, n'est-ce pas ? Qu'il marchait sur les jaspes, les sardoines, les émeraudes, sur l'or, l'argent, que les flûtes et les tambourins avaient été créés pour lui, afin qu'il puisse glorifier l'Éternel par les cantiques, notamment, et qu'il était illuminé de gloire. Donc on voit bien que là, le Seigneur, par son prophète, nous parle du Lucifer, c'est-à-dire du porteur de lumière. Et ce qui est assez frappant dans ce texte, c'est que le mot « tir » n'est pas pour rien. « Tir », c'est la traduction hébraïque de « tsor ». Tsor, c'est, ou tsour, c'est un rocher. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'humanité, ou du moins ce chérubin protecteur, mais si vous prenez les versets qui précèdent le texte du chérubin protecteur, le prophète, dans les premiers versets du chapitre 28, nous dit « Parle au prince de Tyr ». Et il lui dit « Tu n'es qu'un être humain et tu seras transpercé parce que tu t'es fait Dieu ». Tu as cru avoir un cœur de Dieu, mais tu n'es qu'un humain. Et en fait, nous voyons deux choses là. Un prince et un roi. Nous voyons celui qui va se faire nommer Dieu dans la création, c'est-à-dire l'impie. Et nous voyons celui qui dirige l'impie, le chérubin protecteur. Et on va voir que l'origine de l'apostasie vient justement de cet événement. Que faisait ce chérubin ? Il était la plus glorieuse des créatures. Et plutôt que de mettre la perfection à sa nature, c'est quoi la perfection selon Dieu ? À chaque fois qu'on me parle de perfection, je ne peux m'empêcher de penser à cette parole. Je vais vous montrer une voie par excellence. Paul nous parle de tous les ministères, il nous parle des dons spirituels, il nous parle de toute la vie de l'Église dans sa plénitude. Et maintenant, je vais vous parler d'une chose par excellence. Et il n'arrête pas de nous parler de l'amour fraternel, de l'amour des uns pour les autres. C'est l'amour. La perfection, c'est l'amour. Et pourquoi la perfection, c'est l'amour ? Parce que c'est la nature même de Dieu. Alors, on m'a déjà posé la question. Dieu a-t-il créé le mal ? Et je réponds toujours, oui. Indirectement. Pourquoi ? Parce qu'il a créé le chérubin protecteur. Mais il n'a pas déclenché la nature mauvaise du chérubin protecteur. Qu'est-ce qu'il a fait ce chérubin ? Qu'est-ce qu'il a fait ce Lucifer ? Plutôt d'avoir ce sentiment d'amour, c'est-à-dire cette perfection
de nature, qui soit pour lui un élan vers son Dieu, un élan vers ceux qui, sur lequel, lesquels il avait autorité. Eh bien, il s'est regardé lui-même, il s'est aimé lui-même, et en s'aimant lui-même, il s'est comparé à son Créateur. Et en se comparant à son Créateur, il a commencé à ressentir de l'envie, à ressentir de l'orgueil. Pourquoi ne suis-je pas Dieu à la place de Dieu ? Il a commencé à nourrir des sentiments qui, eux, sont de la nature du mal. Mais ce mal est venu du fait que, plutôt que de donner ses sentiments d'amour vers un autre, il l'a gardé pour lui, il l'a auto-centré sur lui-même. Et vous notez que quand le Satan est venu tenter la femme, c'est sur ce point-là qu'il a mis l'accent. Vous serez comme des dieux. C'est pour vous. Regardez à vous-même. Que vos regards se détournent de Dieu pour vous centrer sur vous-même. Parce qu'à partir de là, cette créature de Dieu qui était encore plus parfaite que le chérubin protecteur qui était l'homme, la dame, eh bien, Satan n'a eu de cesse que de l'amener dans la même rébellion que lui. Et donc de se regarder à lui-même, de regarder ses propres intérêts et de se faire Dieu à la place de Dieu. Vous serez des dieux. L'apostasie trouve son origine là. Dieu avait donné un commandement aux hommes, à la dame, multipliez et remplissez toute la terre. Le jardin d'Éden est quelque chose de très intéressant parce qu'il est dit que Dieu créa l'Éden et il planta un jardin en Éden. Donc il y avait le Eretz, la terre, l'Éden et un jardin en Éden. Éden en hébreu, ça veut dire les délices. Jardin, c'est Gan. Valeur numérique de Gan, c'est 53. Valeur numérique ordinale de Torah, c'est 53. On peut dire que Dieu planta la Torah, sa parole, sa pensée en Éden, et il plaça son Adam dans sa parole. Et à partir de là, l'Adam pouvait connaître la nature même de Dieu en parcourant le jardin d'Éden. C'est-à-dire que, vous avez vu dans vos Bibles, dans vos traductions, vous avez « Et Dieu venait le soir pour marcher avec l'homme. Il fut soir, il fut matin, ce fut un jour. » Mais dans, dans l'expression hébraïque, ça ne veut pas dire « Il vint le soir pour marcher avec l'homme. » Non, il était avec l'homme du soir au matin et du matin au soir. C'est-à-dire que Dieu était en permanence avec l'homme, son Adam, pour marcher dans le Gan Eden. Et là, il pouvait très bien dire, l'homme se posait des questions sur la nature divine. « Mon Créateur, dis-moi, explique-moi, mange tous les délices du jardin, mange de tous les arbres et tu vas connaître ma parole. Rentre, nourris-toi de ma parole. » C'était ça que ça voulait dire. Et ensuite, c'était quoi le but de Dieu, l'objectif de Dieu? C'était que l'homme rentre lui-même dans un Shabbat. L'homme, malheureusement, a trébuché, a chuté le sixième jour. La pensée de Dieu, la pensée parfaite de Dieu, on revient à notre méditation de la semaine dernière, mais la pensée parfaite de Dieu, c'était que l'homme rentre dans le Shabbat de Dieu en lui disant « Je fais, je prends ce que tu m'as offert », c'est-à-dire « Tu as cessé toi-même de créer pour me donner autorité sur cette création. Eh bien, moi, je fais de cette liberté le choix de te remettre à nouveau cette autorité que tu m'as donnée, afin que ce soit toi qui poursuives ton œuvre à travers moi. » Et là, le Mashiach aurait pu très bien s'incarner et accomplir l'œuvre de Dieu. Quelle était cette œuvre? On peut penser aujourd'hui que, vu que nous sommes dans une dispensation de rédemption, l'objectif de Dieu, c'est de sauver les hommes. Sauver le salut est une chose. Le salut est un aspect de l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas ça le but.
Quand vous relisez le chapitre 28 d'Ézéchiel, vous voyez que Dieu dit « Je t'ai chassé de la montagne de l'Éternel », c'est-à-dire que là, il a été chassé de la présence même de Dieu, « et je t'ai jeté à terre », c'était « Echetz », « je t'ai jeté sur la terre ». Donc, en moralité, la dame a été créée non pas pour être une créature glorieuse comme ça de plus, il a été créé comme un combattant. Et l'objectif de Dieu pour son Adam, c'était qu'il marche sur les œuvres de l'ennemi pour le détruire et pour implanter le royaume de Dieu sur terre. En fait, la terre est un champ de bataille, c'est un endroit de combat, et d'un combat spirituel. C'est le combat entre Dieu et le Satan. Et l'homme, qui est créé à l'image de Dieu, était l'outil que Dieu voulait utiliser pour vaincre son ennemi. C'est la raison pour laquelle Paul dit « Le premier Adam a chuté, nous avons la mort comme héritage avec le premier Adam. Et le dernier Adam a rempli, nous avons la vie au dernier Adam. » Donc il fallait, aux yeux de Dieu, il y a deux hommes. L'Adam déchu et le deuxième Adam vainqueur. Et c'est par le deuxième Adam que nous avons la victoire. Alors, qu'en est-il pour nous ? L'homme était placé dans le Gan Eden, dans la parole de Dieu, et l'objectif c'était qu'il croisse, qu'il multiplie et qu'il remplisse la terre. C'est-à-dire qu'il y avait cette notion de implanter le royaume de Dieu sur toute la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'inverse exactement qui s'est produit. Nous voyons l'intrusion du serpent dans le jardin, nous voyons la chute de l'homme, nous voyons la même propension de l'homme que le serpent à regarder à soi-même et à supplanter Dieu, à vouloir supplanter Dieu. Et là, ce que l'on voit, c'est plutôt que de voir le Gan Eden s'élargir pour remplir toute la terre, nous avons vu que l'intrusion de l'ennemi dans l'Éden et Éden disparaître. Et pour ce faire, tout comme le serpent, ou du moins le chérubin protecteur, a été chassé de la montagne de l'Éternel, et le mot chassé, c'est shalach en hébreu, et shalach, c'est chassé, mais aussi divorcé, répudié. Je t'ai rejeté. Et c'est exactement le même terme quand il est dit, il chassa l'homme, la dame, du jardin d'Éden. Il le shalach. Il le répudia. Mais autant pour l'homme, le mot « chalar » veut dire, bien sûr, répudier, mais il veut dire aussi « ramener ». Il y a les deux notions. Tandis que le mot, vraiment, un divorce complet, total, c'est « keritut » en hébreu. Et « keritut » veut dire littéralement « trancher une partie du corps ». C'est-à-dire que là, on coupe. C'est une séparation totale. Et autant pour l'homme, il y avait cette espérance de pouvoir retrouver sa nature, ou du moins la raison pour laquelle Dieu l'a créé, marcher sur les œuvres du diable. Et on constate de manière dramatique que l'origine de l'apostasie s'est trouvée dans le Gan Eden. C'est au moment où le serpent a pu s'introduire, a pu corrompre et a pu détruire, en apparence, l'œuvre de Dieu pour l'homme. L'esprit d'apostasie, l'apostasie a démarré à ce moment-là et n'a eu de cesse que de faire son œuvre dans l'humanité. Alors bien sûr, nous avons Nimrod. Ensuite, Dieu se choisit un peuple. De ce peuple, il va sortir le Mashiach. Et le Mashiach va remporter la victoire sur le serpent. Mais cet esprit d'apostasie a toujours eu une emprise particulière sur l'humanité. C'est de vouloir détruire ce que Dieu met en place. Donc à chaque fois, nous voyons, à partir du moment où Dieu se choisit un homme, Avram, il y a des attaques sur cet homme. Ensuite sur les patriarches, ensuite sur le peuple, que ce soit l'Égypte. Même quand Israël a été... comment dire, une nation, qu'il a eu son pays, son héritage, il y a eu des ennemis
pour détruire Israël et surtout détruire Jérusalem. Vous savez que la montagne de l'Éternel sur terre, c'est Jérusalem et c'est le mont Sion. Et sur le mont Sion, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le temple, le Beit HaMikdash. Donc à partir du moment où il y a le Beit HaMikdash, il y aura des attaques diaboliques afin qu'il y ait apostasie. Apostasie, en grec, ça veut dire quoi? Ça vient de apostasia, donc de la racine apostation, qui veut dire divorce. L'esprit d'apostasie, c'est l'esprit qui veut nous faire divorcer de Dieu, qui veut nous faire nous séparer de Dieu, qui veut nous éloigner, nous retrancher de Dieu. C'est ça l'apostasie. Et donc l'objectif du Satan, c'est de faire en sorte que l'humanité divorce de son Créateur. Et dans toute cette histoire de l'humanité, nous avons donc Israël. Pendant l'histoire d'Israël, il y avait quand même des étrangers qui se rattachaient à Israël. Il y avait une influence d'Israël sur les nations. Ensuite, il y a eu évidemment la période que nous voyons se terminer maintenant, la grande diaspora d'Israël, 2000 ans sous la galoute, ça veut dire la déportation romaine. Et pendant cette déportation du peuple juif, du peuple d'Israël, dans les nations sous l'autorité romaine, ça a été le temps de la grâce pour les nations. Ce qui est assez surprenant, c'est que ce sont les nations qui ont premier répondu à la reconnaissance du Mashiach. Bien sûr, ils en ont fait une idole. Bien sûr, ils l'ont séparé de la Torah. Bien sûr, le christianisme a dépouillé le Messie juif de la Torah, donc de la pensée de Dieu, pour le revêtir de la philosophie grecque. Mais il n'en demeure pas moins que les nations ont accepté avec joie ce qu'Israël a refusé. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus disait, enfin c'est ce que le prophète disait, « Je me ferai connaître par un peuple qui ne me connaît pas et me faire accepter par un peuple qui ne m'a jamais entendu parler de moi. » Mais ensuite, il y a quand même ce psaume, psaume 2, qui dit « Quel est ce tumulte dans les nations? Quel est ce grand trouble dans les nations? Les hommes disent « Enlevons les chaînes, libérons-nous des chaînes et des liens » qui nous lie. Et les rabbins se sont penchés sur ce texte et ils en ont conclu que le lien dont il était question, c'était les liens de la Torah. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment où l'esprit d'apostasie prend le pas sur l'esprit de Dieu. Et alors, les nations qui ont accueilli avec joie la parole de l'Éternel en Jésus-Christ vont se dire « Rejetons maintenant ces liens de la Bible ». De la Torah, des commandements de Dieu. Nous ne voulons plus des commandements de Dieu pour nos vies. Nous rejetons tout cela. Il y a une quinzaine d'années, à peu près, à la tribune de l'ONU, un représentant, je ne sais plus de quel pays, a brandi une Bible. Et il a déclaré aux Nations Unies, « Aujourd'hui, nous avons la joie de pouvoir dire que nous sommes déliés des 10 commandements. » Nous sommes déliés des 10 commandements. C'est exactement ce que le psaume 2 nous dit. Quels sont ces liens, ces chaînes? Libérons-nous de ces chaînes. Nous ne voulons plus de la parole de Dieu. Nous voulons être libres de la parole de Dieu. Nous voulons faire ce que nous voulons. Nous voulons être nos propres dieux. C'est faisons-nous un nom. Nous retrouvons l'esprit de Babel, c'est-à-dire l'esprit d'apostasie qui dit « Je veux divorcer de mon Créateur ». Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, la Torah, est l'acte d'alliance de Dieu avec son peuple d'Israël et avec ceux qui sont rattachés à ce peuple en Jésus-Christ. Je suis très précis, la Torah n'a pas été donnée à un autre peuple qu'Israël. Donc nous ne pouvons pas mettre Israël en dehors du jeu, parce qu'autrement nous ne sommes pas dans la pensée de Dieu. Donc il a été en premier lieu donné à Israël, certes, au milieu d'Israël, il y a ceux qui sont rentrés dans la rébellion en refusant de reconnaître leur Messie. Et il y a de ceux des nations qui vont s'agréger à ce noyau, à ce reste d'Israël qui a reconnu son Messie et qui forment l'épouse de l'agneau, c'est-à-dire le véritable Israël selon l'Alliance.
Là-dessus, on est d'accord. Mais quand le voile va être ôté des yeux d'Israël, c'est tout Israël qui va être sauvé. Tout Israël. Romains 11. Et donc, l'objectif de Dieu, c'est que tout son peuple d'Israël soit sauvé et tous ceux qui auront été rassemblés des nations et qui se seront unis à Israël dans la promesse d'Israël, faite à Israël dans l'alliance. Quel est l'acte d'alliance qui a été donné à Israël et auquel se sont rattachés les goyim? Eh bien, c'est la Torah. Et c'est précisément ce que ce monsieur apprenait en disant « Nous sommes déliés de la Torah. Nous avons divorcé. Nous sommes apostats. Apostation. » C'est-à-dire, maintenant, nous avons pris l'autorité pour nous arracher de Dieu. Nous ne voulons plus de ça. Et l'acte d'alliance qui était la nôtre, entre Dieu et nous, nous le déchirons. C'est un divorce. L'apostasie est un divorce. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit « J'ai de la haine pour la répudiation ». Il a de la haine pour la répudiation parce que la répudiation, c'est l'esprit d'apostasie. Donc nous voyons que l'apostasie vient précisément de ce que ce chérubin protecteur a fait. Que nous ne sommes plus dans une perfection qui est de l'amour, mais que nous sommes dans un amour dévoyé, un amour qui est corrompu. C'est-à-dire que plutôt que d'aimer l'autre, on s'aime soi-même. Et je fais une petite parenthèse. Dieu est amour, c'est sa nature. Amour, Ahava en hébreu, c'est 13. Echad, 1, c'est 13. Mais j'ai des grands débats souvent avec ça parce que Dieu unique, mais Dieu n'est pas unique. Dieu est fondé sur la base de l'amour. Si Dieu était l'amour en une seule entité, une seule personne, c'est qu'il s'aimerait lui-même. Parce qu'avant qu'il ait créé quoi que ce soit, il se serait aimé lui-même. Alors, il aurait très bien pu rentrer dans le mal. Chose qui est contre sa nature. L'amour est un élan vers un autre. Et même dans le judaïsme du temple, il y avait cette notion du métatrone, c'est-à-dire de l'ange, malach, c'est un ange, l'ange de la face. Mais l'ange de la face qui a été incréé. Philon d'Alexandrie disait « De toute façon, il est évident qu'il y a au moins deux trônes. Le trône du Ein Sof, de l'infini, de l'insondable, et le trône du métatrône, celui qui est assis à la droite de Dieu. » Et ça montre les deux natures différentes entre Dieu et le chérubin Lucifer. C'est que Lucifer a regardé à lui-même, et Dieu était toujours dans un élan vers l'autre. Et toute la création n'est que l'expression de cet amour parfait qu'il a fait créer une multitude de créatures pour les aimer. Et l'aimer à tel point que celle qui est au-dessus de toutes les créatures, c'est-à-dire la dame, qui a choisi son ennemi plutôt que de choisir son créateur, eh bien Dieu a accepté en Jésus-Christ de payer le prix de la rébellion de son Adam. Et là, Dieu a mis la perfection à la perfection, j'ai envie de dire. Il était amour déjà dans un élan, parce que la relation du Machiar et du Ein Sof, du Dieu le Père, c'est sur la base de l'amour, par l'esprit. Donc, Echad n'a jamais voulu dire unique. C'est deux racines différentes en hébreu. La racine de Echad, c'est Achad, et unique, c'est Yechid. Parce que vous voyez que le jour 1, c'est jour Echad. Donc, ce n'est pas le premier jour, parce que ça serait Yom Rishon, autrement. Premier jour. Ce n'est pas un jour unique, parce qu'il y en a eu d'autres, mais en faisant une exégèse fine du premier jour de la création, nous notons que toute l'histoire de l'humanité et de toute la création
spirituel est réuni dans ce jour-là. C'est-à-dire que ce jour-là réunit l'ensemble des jours, l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Tout est réuni, rien que dans le premier verset. Ça serait trop long à étudier là, mais on a même sept millénaires, avec sept Aleph. Et vous savez que Aleph veut dire Alaf, Alaf c'est mille. Donc nous avons sept Aleph. Il y en a six évidents, et il y en a un qui est caché, et qui correspond au millénium. Et donc, tout est réuni, et c'est pour ça qu'il est Echad. C'est-à-dire, il est unique, il est un, mais en englobant tout. Tout comme Dieu est un, en englobant l'Esprit et le Mashiach. Ils sont un sur la base de l'amour. Tout comme l'homme et la femme sont Echad, ils sont un sur la base de l'amour. Mais ça n'enlève rien à la nature divine Echad, mais pas Yechid. D'ailleurs, question. Pourquoi disons-nous Dieu trois fois saint ? Dieu trois fois saint. Pourquoi trois fois saint ? Pourquoi pas Dieu saint et unique ? Non, tu es à Dieu trois fois saint. Alors j'avais un débat avec un frère qui était modaliste, c'est-à-dire que lui, même en venant du catholicisme, il considère que Dieu est unique. Et je lui disais, mais regarde le texte du baptême de Jésus. Jésus est dans le Jourdain, il y a une voix qui se fait entendre et le Saint-Esprit sous la forme corporelle d'une colombe. Il me dit, mais oui, mais ça c'est une allégorie. Je lui dis, attention, si on rentre dans l'allégorie là, dans un évangile, ça veut dire que la croix peut être une allégorie aussi alors. Et alors là, plus de salut certain pour nous. Parce que si la croix est une allégorie, Jésus n'est pas mort à la croix, il n'a pas payé le prix, nous sommes perdus. Faire attention avec nos débats et nos théories. Dieu trois fois saint, sur la base de l'amour. Echad a la même valeur numérique que Ahava, que l'amour. Donc il y a une réalité là. Et le chérubin protecteur, c'est exactement l'inverse qu'il a fait. Plutôt de faire en sorte que cet amour, cette perfection qui était la sienne, de faire un élan vers l'autre, non, il a tout ramené à lui. Et quand on regarde à nous-mêmes, on est envieux. Il a eu envie. Il a envié Dieu. Il s'est dit, mais je suis si parfait. J'ai été créé si parfait. Qu'est-ce qui m'empêche d'être à la place de Dieu? Et il y aura un esprit de supplantation. Donc, un esprit d'apostasie. Parce que c'est un esprit de divorce. Parce qu'à partir de ce moment-là, le Satan, le Lucifer qui est devenu le Satan, a été animé par un esprit de divorce et de répudiation. Et il n'a eu de cesse de faire en sorte que tous les autres malachim, c'est-à-dire les anges, viennent avec lui pour rentrer dans cet esprit d'apostasie, rentrer dans cet esprit de répudiation. Et non content d'avoir réussi à faire cela, il a voulu faire en sorte que cette créature qui était au-dessus de lui encore, en gloire, qui était la dame, prenne exactement le même chemin que lui. Ce qu'il a fait, malheureusement. Mais gloire soit rendue à Dieu. En Jésus-Christ, le dernier Adam. Il est celui qui a mis la perfection à la perfection de Dieu. Il a tellement aimé chacun d'entre nous qu'il n'a pas regardé à la perte qu'il subissait lui-même, à la gloire qu'il délaissait lui-même et subir les souffrances de la croix. On parle souvent des souffrances physiques. Je crois que la pire souffrance que Yeshua ait subie sur la croix, c'est la séparation d'avec son Père. Parce que Dieu ne pouvait pas demeurer avec celui qui portait l'ensemble des péchés de l'humanité, c'est-à-dire mon péché. Et mon péché a séparé mon Seigneur de son Père. Et ça a été la plus grande souffrance de Yeshua, parce qu'il n'a jamais vécu ça. Parce qu'il n'a jamais été séparé, il a toujours été dans l'amour parfait de son Père. Alors, quelle est la position du chrétien aujourd'hui? Déjà, c'est de reconnaître cette vérité. Il nous a tant aimés. C'est lui qui nous a aimés en premier. Eh bien, en retour, nous lui livrons notre vie.
et nous lui disons, Seigneur, sur la base non pas de mes capacités, sur la base non pas de mes mérites, sur la base non pas de ma propre autorité, mais sur la base de la croix et du sacrifice de Jésus sur cette croix, sur la base de la victoire remportée par Yeshua sur la croix, eh bien je me place entre tes mains, afin que ton œuvre s'accomplisse sur cette terre, pour que dans ma vie en premier lieu, l'esprit d'apostasie soit mis à mort, pour que dans ma vie en premier lieu, tu sois élevé, pour que dans ma vie en premier lieu, tu sois glorifié, pour que dans ma vie en premier lieu, c'est toi qui aies la plénitude de l'autorité, que tu puisses agir sans entrave. Et à partir du moment où dans ma vie tout cela s'accomplit, alors ça peut se répandre autour de moi pour remplir la terre. Et là, nous rentrons dans notre destinée qui est quoi ? Multiplier et remplir la terre. Vous voyez que le salut n'est qu'une chose parmi la pensée de Dieu, n'est qu'un élément. Parce qu'il faut être sauvé pour pouvoir rentrer dans notre destinée. Il faut accepter le sacrifice de Jésus et la victoire de Jésus sur la croix pour pouvoir rentrer dans notre destinée de marcher sur les œuvres de l'ennemi. Mais pour marcher sur les œuvres de l'ennemi, encore faut-il que les œuvres de cet ennemi soient détruites dans ma vie. Encore faut-il que j'accepte que je meure à moi-même, que je détourne les regards de moi-même pour les tourner vers Dieu, afin que la perfection de l'amour du Père me remplisse et puisse être rendue vers Christ et par Christ à Dieu. À ce moment-là, son œuvre s'accomplit en moi, sa perfection peut se manifester en moi et peut se manifester autour de moi. Et là, nous retrouvons quoi à la fin ? Nous allons retrouver ce rocher, ce caillou qui tombe de la montagne, qui grossit, qui pulvérise la statue des empires humains et remplit toute la terre, c'est-à-dire le règne messianique. C'est ça l'objectif, c'est marcher sur les ténèbres, mais il faut que les ténèbres soient détruites en nous. C'est par là qu'il faut commencer. Tant qu'il y a des ténèbres en nous, nous ne pouvons pas transmettre la lumière. Ce n'est pas possible. Il nous faut transmettre la lumière du Christ. Pour transmettre la lumière du Christ, il faut que nous soyons morts à nous-mêmes, que nous détournions les regards de nous-mêmes, que nous les tournions vers Christ et que nous laissions Christ luire en nous. Alors il luira pour tous les hommes. C'est ça notre but. Et dans cette action, il va y avoir quoi ? Eh bien, bien sûr, par la prière, il va y avoir des délivrances, confirmation de la parole, le salut des âmes, et le Seigneur va répandre son esprit. Mais Paul nous a dit que cet esprit d'apostasie allait prendre une telle ampleur sur terre qu'il allait faire venir l'impie. C'est l'esprit d'apostasie qui va permettre à l'impie de venir. À partir du moment où l'esprit d'apostasie prend l'autorité sur le monde entier, alors l'impie peut prendre autorité sur cet esprit et marcher selon cet esprit et conduit par le Satan. Et à ce moment-là, quand le Satan arrivera à l'apogée de sa puissance, à l'apogée de ce qu'il peut faire avec ceux qui se sont soumis à son autorité, les hommes qui sont néphilim, c'est-à-dire déchus, ça vient du verbe nafal qui veut dire tomber, les néphilim sont ceux qui ont chuté, qui sont tombés de leur position spirituelle. Eh bien, ceux qui ont commis ce crime de trahison envers leur Créateur, eh bien, vont arriver à l'apogée de leur puissance. Et là, le Messie viendra, et ça sera le terme. Ça sera la fin du temps des nations, et ça sera le temps du rétablissement d'Israël en tant que peuple de Dieu. Et ceux qui auront reconnu la main de Dieu à travers son peuple d'Israël, qui se seront en Jésus-Christ emparés des promesses faites à Israël en se rattachant à eux, pas en les supplantant, en se rattachant à eux, alors ce peuple-là fera un seul et règnera avec Christ. Et alors, enfin, cette parole de Dieu qui avait été donnée au premier Adam, multipliez et remplissez la terre, s'accomplira en Jésus-Christ et par son règne. Père les Shalom.